Une vingtaine d'associations antiracistes, des syndicats ainsi que le PS et le PC ont appelé à une manifestation contre la haine raciale demain après-midi sur le lieu de ce meurtre au pont du Carrousel à Paris. Les deux candidats à l'élection présidentielle, messieurs Jospin et Chirac, ont tous deux condamné avec la plus extrême vigueur les agissements d'activistes présents dans le sillage du Front National. Je vous propose d'entendre leur porte-parole. La question, d'après moi, est posée aujourd'hui de l'existence du Front National et du respect par le Front National d'un certain nombre de règles démocratiques. À partir du moment où ils ne respectent pas ces règles, la démocratie doit se protéger. Je crois que ceux qui votent Front National aujourd'hui, quels que soient leurs problèmes sociaux, commettent une faute. Cette faute, nous la retrouvons dans ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire qu'ils donnent la possibilité à des bandes armées d'utiliser leur misère sociale pour faire autre chose, c'est-à-dire pour prôner le racisme, pour se comporter de manière violente et pour préparer les conditions d'arriver effectivement à la tête de ce pays d'un gouvernement d'extrême droite. La réaction, je l'imagine, d'une très grande majorité de nos compatriotes devant ce que l'on peut qualifier d'un drame épouvantable et d'un meurtre ignoble. Jacques Chirac l'a rappelé très rapidement, l'indignation et la consternation devant un drame odieux qui semble être de nature raciste. Il faut encore attendre naturellement l'évolution de l'enquête. Je crois que Jacques Chirac l'a rappelé avec force et avec conviction à la vigilance de la part de tous les responsables politiques devant ce qui peut être interprété comme des propos racistes, xénophobes, antisémites et qui naturellement peuvent flatter les bas instincts et conduire à ce type de drame épouvantable. Cette présidente...